Yippee-ki-yay, bang bang. Écoute-moi ça, petit padawan. Tu m'en diras des nouvelles. Ah oui, tu l'entends la voix du mal. Tu l'entends le chaos lointain. Tu l'entends ce doux son de guerre. Aujourd'hui, on va foncer dans un jeu qui ne porte pas en lui l'originalité, puisque ça n'est rien d'autre qu'une Xème resucée de 1941 et autres Raiden. Ceci dit, ce n'est pas une raison pour ne pas donner sa chance à Metafox, qui sera donc le jeu du jour, et qu'on va découvrir ensemble, puisque moi je ne sais pas d'où sort ce truc. Il m'est totalement inconnu, j'ai juste observé que c'était du tout comme. Enfin, on est en droit de s'attendre à quelque chose de correct. Alors, ce que j'ai pu observer déjà, c'est que les petits gars avaient envie de faire du graphiquement accompli. C'est tout à leur honneur. Maintenant, il faudrait peut-être que le jeu soit un petit peu plus smooth. Parce que là, j'arrive pas à savoir si c'est l'émulation qui est pourrie. Ouh, ça fait mal ça. Si c'est l'émulation qui est pourrie donc, ou si c'est le jeu qui l'est tout simplement. Ce qui est aussi probable. La jouabilité du coup est complètement à la ramasse. Oui, je ne me prends pas des boulettes juste parce que ça me fait plaisir. C'est juste que c'est un poil tendu de faire exactement ce qu'on aurait envie de faire. J'ai même pas encore utilisé une bombe tellement je suis dépité en fait. C'est le problème des clones. C'est que quand vous en avez testé un, bah, vous les avez un peu tous testés, quoi. Puis vous voyez la durée de vie. Alors que je fais pas particulièrement de conneries, c'est juste j'essaie de ramasser les bonus, quoi. Ce qui me semble à peu près normal, s'ils sont là, c'est peut-être leur fonction. L'avion, le petit corsaire que vous dirigez, a une vitesse de poney à moitié mort. Donc, dans ces conditions, voilà, je crois que je vais avancer de tableau, en bonbon uniquement. Je vois plus que ça à faire, quoi. Traduction littéraire. Jouabilité à chier. Bah oui, on va utiliser les vrais mots. Hein. Donc, je vais pas dire, oh, ils ont fait un joli boulot de sprite. Moi, je suis désolé. Des jeux où il y a eu du joli boulot pour que ce soit mignon, tape à l'œil et tout. On en a eu depuis le premier Dragon Slayer, donc on sait comment c'est foutu, quoi. Et donc, oui, c'est bien, c'est joli ça. Mais, sérieux, c'est pas smooth. Et puis, c'est misérable sur la jouabilité, quoi. Oh mon dieu, j'ai pris un bonus speed. Je ne me sens plus. Non, je ne me sens plus. Eh oui. Il faudrait que j'en prenne encore 15 autres et je devrais avoir une vitesse à peu près normale pour éviter 2-3 tirs. Laissez-moi le prendre le speed, les gars, parce qu'apparemment c'est mon gros problème dans la vie, dans ce jeu. Alors, note pour plus tard. Le jeu, tu prends même pas les bonus de tir, tu prends les bonus de speed si c'est disponible. Parce que ça sert à rien d'avoir plein de tirs si tu peux pas te faufiler ou esquiver, quoi. Au passage, on n'aura pas du tout remarqué le sample derrière qui boucle. Oh mon dieu, il a changé. J'esquive là, hein. D'accord. Donc je pense que c'était une borne d'arcade qui devait se trouver exclusivement dans les bars de bikers. Est-ce que je touche quelque chose là d'ailleurs? Je commence à me poser la question en fait. Parce que du coup il n'y a aucun impact sur le vaisseau. Et en plus il se remet bien gentiment pour que je reste bien entre les tirs. Bah c'est la première fois que je vois ça dans un jeu. Je sais pas, je suis quoi? 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 Je vous refais. Je suis quoi? 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 Totalement.
Ah, je suis mort aussi. J'aurais peut-être dû lui bomber un peu la gueule à cet animal. C'est probablement ce qui va lui arriver. S'il ne me remet pas à perpète en arrière. Et sans le moindre bonus, parce qu'avec mon tir Papy Bunnington, tout simplement, je pense pas que je vais l'impressionner beaucoup. Donc j'ai quoi? 3 bombes? Ok, je vais lui bomber la gueule 3 fois. Mais bon, au début, il tire délibérément à côté de moi. Serait-ce une sorte de danse qui précède la période des amours chez les choses mécaniques? Allez savoir, regardez-moi ça. J'aurais dû brancher la caméra parce que là, je rigole, mais je suis dépité en même temps parce que le panneau qui devrait y avoir au-dessus de ma tête, c'est mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? La période des amours entre un avion et un tank. Oui, bah, on est content qu'il ne soit jamais arrivé à se reproduire. Attention, ça va tirer. Cette bombasse. Eh, mais il me suit, lui. Il me suit. Madame, madame. Non, je veux pas. Et non. Et il faut pas. D'accord, il y a un challenge. Donc, je dois passer entre les pruneaux qui m'évitent pour ne pas rater les missiles. Fais-moi pas un game over. Je vais te mettre 3 bombes d'affilée, déjà. Hein? Comme ça, on verra comment n'est pas réussi le tableau suivant, parce que ce jeu, c'est une cata. C'est juste une cata. J'ai déjà oublié son nom. Donc, pour moi, en fait, ce stream ne va jamais avoir existé quelque part. Enfin, il faudra quand même qu'on revienne sur l'écran titre pour bien noter le nom et ne plus jamais y jouer. Alors celui-là, vous le mettez d'office dans le grenier, dans la vieille malle, en dessous des journaux qu'on commence à pourrir. Et encore, je trouve qu'il sera déjà vachement plus haut que la place qu'il mérite. Alors, vous me direz, ouais, mais quand même, mais fort louable pour la musique. Oui, achetez-vous le disque. Mais surtout pas le jeu. Malheureux. Salut, il n'y a pas de bonus d'en haut, c'est ça? Non, je demande. Bah, disons que ça fait un quart d'heure que je suis avec mon piou-piou-piou et... Ce qui devait arriver, arrivera. Non, 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 sans façon. Vraiment. Ça aurait été avec plaisir, mais... Là, continuer tout de suite... Il y a des choses, il faut pas en abuser. Hein, c'est un peu comme toutes les bonnes choses dans la vie. On en prend une petite bouchée, une petite deuxième par gourmandise, mais on ne va surtout pas bousculer l'avidité et tout de suite passer pour un goujat parce qu'on ne sait pas se tenir. MetaFox, retenez bien ce nom, MetaFox. Si on vous le propose, si on vous l'offre, si on vous le donne, si on vous l'impose, partez, fuyez, pauvre fou. Ce jeu est minable sous tous les aspects possibles. Il est même pas digne de son époque. Voilà, j'ai plus rien à rajouter là-dessus. On se retrouve demain à 19h pour un stream sur un vrai jeu. Et oui, j'ai fait mes 5 minutes légales. Et quand je suis sur une daube, j'essaie de pas trop les dépasser parce que c'est pas la peine de prolonger. Demain, 19h, même chaîne, un nouveau jeu, un nouveau shmup, ou peut-être une nouveauté. Je regarde les services compta. Chewbacca, alors, tu n'as pas reçu le... Chèque, eh oui, eh oui. Bon, ben, c'est pas grave. Hein? Non, non, non. On fera un shmup. Ok. Demain 19h, un shmup. À demain, ciao.